Alors pour la bascule en 90-90, on aura besoin d'un rouleau et on va utiliser le mur idéalement, sinon on peut utiliser une chaise ou un bench pour placer les pieds par-dessus. Donc on va se placer sur le dos avec les jambes à 90 degrés, les pieds parallèles au mur, donc on veut s'assurer qu'ils ne tournent pas vers l'extérieur. On va placer la balle entre les genoux, on serre la balle, on va garder les pieds à plat, donc talons, base de la petite orteil et du gros orteil. Et en maintenant cette tension-là, on va venir tirer la base des poches, donc la poche arrière, vers le genou, faire une petite bascule. Le bas du dos va rester à plat. On veut sentir les ischio-jambiers, potentiellement un peu de tension au niveau de la base de la fesse. On va reacher les mains vers le plafond, tourner les paumes vers l'arrière et amener les mains un tout petit peu pour qu'elles soient alignées avec les yeux. On essaie d'allonger les bras, ce qui va venir décoller la tête un peu. Et on vide les poumons. On va s'assurer de sentir les abdos à la fin de l'expiration. Et en inspirant, on continue à reacher. On va sentir que ça gonfle, surtout au niveau du sternum, donc sans que les côtes ne relèvent.